Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons voir comment alléger facilement le poids d'une image pour faciliter son transfert par mail ou son insertion dans un forum par exemple. Pour cela, nous utilisons le logiciel gratuit de traitement d'image Photofiltre. Donc je vais commencer par charger l'image. Pour cela, je fais Fichier, Ouvrir et je vais chercher mon image. La voici. La première chose à faire pour limiter la taille d'une image, c'est de regarder sa taille. Ici, elle n'est pas très grosse, c'est 1024 par 768, mais certains appareils photo produisent des images avec 2000 ou 3000 pixels, ce qui est beaucoup trop gros pour un affichage à l'écran ou sur le web. Donc la première chose, c'est de réduire la taille. Là, on va la mettre en 800 par 600. Donc sur Photofiltre, il suffit de faire un clic droit et de faire taille de l'image. On a cette fenêtre qui apparaît. On va lui dire largeur 800. Et comme on a gardé conserver les proportions, on a la hauteur qui s'ajuste automatiquement à 600. On fait OK, et c'est fait, elle fait 800 par 600. Donc là, je vais l'enregistrer en tant qu'image numéro 2. Deuxième chose pour réduire la taille de l'image, c'est le format. Ici, vous le voyez, cette image est .bmp. Il s'agit d'une capture d'écran, d'un PowerPoint qui va illustrer le prochain cours que je vais mettre en ligne sur NetProf, qui explique les origines d'une expression. Pour réduire la taille de l'image, il faut changer le mode de compression. Et pour ça, on enregistre en JPG, qui utilise un algorithme de compression beaucoup plus élaboré que le bitmap. Donc pour cela, on fait enregistrer sous, tout simplement. Et dans type, on va mettre JPG. On va l'appeler numéro 3 pour qu'on voit la taille. On fait enregistrer. Et là, une fenêtre s'ouvre, et c'est spécifique à Photofiltre, permet de choisir la force de la compression. Donc, par exemple, si on fait 100%, c'est-à-dire avec une qualité optimale, format standard, aperçu, on se rend compte que le fichier fera 299 kg. Donc on va l'enregistrer comme ça. Mais si par exemple, on l'enregistre avec une meilleure compression, on va le mettre en 4, vous allez voir qu'en fait, on gagne beaucoup de place. De 299, on passe à 163 à 95%. Et je réitère l'opération pour mettre à 90%, ce qui est le format que je préconise en fait, hein. Il vaut mieux mettre 90%. C'est d'après moi le meilleur compromis entre qualité et taille. Donc j'enregistre à 90%. Il ne fait plus que 120. On va tout de suite aller voir ces images. Donc les voici ici. Si on fait un aperçu, donc voici la numéro 1, la bitmap non compressée. La numéro 2 en 800 par 600. La JPEG à 100%, à 95 et à 90. Je ne vois aucune différence et il n'y en a pas. Donc il faut à tout prix compresser à 90% seulement, puisqu'on passe de 300 kg à 122 sans aucune différence. Donc un petit récapitulatif de ce qu'on a fait pour réduire le poids d'une photo ou d'une image. Tout d'abord, on diminue la taille. Par exemple, en passant de 1024 par 768 à 800 par 600, on gagne 39% de taille. Et certains appareils photo, je le répète, ont des résolutions beaucoup plus grosses, donc on peut gagner beaucoup beaucoup plus de taille. Et 800 par 600, c'est une très bonne taille pour le web par exemple. Ensuite, on convertit les bitmaps ou les autres formats en JPEG. C'est un algorithme d'encodage qui est beaucoup plus performant et qui permet, dans notre cas par exemple, de gagner près de 80% de taille. Et enfin, on optimise la compression sous Photofiltre en prenant 90% par exemple. On gagne 60% par rapport à une compression à 100% et il n'y a aucune différence visible à l'œil nu. Donc vous avez vu, avec ces quelques étapes très simples et le logiciel gratuit Photofiltre, on peut gagner jusqu'à 95% du poids sans aucune perte de qualité. Ce cours est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur netprof.fr en cliquant sur mon prénom, qui est un lien qui va s'afficher juste sous cette vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.